Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer ce camouflage gratuitement sur Fortnite. Alors très important, ce camouflage ne sera pas gratuit pour tout le monde parce qu'il y a une condition à respecter qui est très compliquée, surtout pour les joueurs actuels sur Fortnite, c'est la condition de ne pas être connecté depuis plus de 30 jours sur Fortnite. Si vous êtes connecté il y a 29 jours, ça ne fonctionnera pas, il faut ne pas s'être connecté depuis plus de 30 jours sur Fortnite pour débloquer ce camouflage. Et après c'est pas tout. Si maintenant vous êtes si vous n'êtes pas connecté depuis 30 jours, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller sur le lien que je vous mettrai en description, en commentaire épinglé, donc ce lien là. Quand vous arriverez sur ce lien, vous arriverez ici. Donc il faudra accepter les pop-up, enfin le truc qui est marqué accepter les conditions, voilà, accepter ça. Ok, les cookies. Ensuite, il faudra cliquer sur « Join ». Encore une deuxième fois sur « Join ». Ensuite, il faudra cliquer sur « Allow ». Et là, ils vont vous demander de vous connecter. Donc, si vous vous connectez avec un compte, essayez de vous connecter. Hein. Peut-être que ça marchera, hein. Même si vous êtes connecté il y a 10 jours ou 25 jours. Essayez, on ne sait jamais. Donc, vous vous connectez avec votre compte principal. Si maintenant, vous êtes éligible et que vous respectez les conditions d'utilisation, donc qui est de 30 jours de ne pas être connecté sur Fortnite, là vous accéderez à une nouvelle page. Si vous n'êtes pas éligible, il vous dira directement vous ne pouvez pas participer parce que vous n'êtes pas éligible pour les conditions. Donc voilà, vous aurez une chance sur ça dépend en fait. Essayez, vous verrez bien. Donc si maintenant vous êtes éligible, vous allez arriver sur cette page où il est marqué que vous avez réalisé la première étape qui était de créer votre compte Epic via Element. Donc en fait, il faut savoir que c'est Stream Element qui est en collaboration avec Twitch et qui maintenant est en collaboration avec Fortnite. Donc vous devez accepter les conditions d'utilisation pour qu'ils partagent vos informations de jeu, de Epic Game, donc votre niveau actuel, etc. Sur Stream Element, et je pense qu'il vous faudra un compte Twitch, mais je ne suis pas sûr de ça. Mais voilà, apparemment, c'est comme ça en collaboration avec Twitch. Moi, ils m'ont demandé une autorisation pour mon compte Twitch, donc j'ai validé, j'ai dit oui, et donc ça a marché. Mais je sais pas si c'est obligatoire d'avoir un compte Twitch, mais en tous les cas, si vous le demandez, essayez de vous en créer un si vous n'en avez pas. Donc ensuite, quand vous avez créé votre compte Epic Game, enfin que vous avez lié votre compte Epic Game avec Stream Element, vous allez devoir gagner 10 niveaux de saison pour votre pseudo apparaisse sur le stream de Cédrico. Donc il faudra gagner 10 niveaux dans la saison de Fortnite actuelle. Donc regardez ici, votre progression actuelle est de 0 sur 10 niveaux. Et ça prend plus ou moins une heure pour que ça s'actualise, je crois, non ? Ouais, 90 minutes. Donc 90 minutes pour que ça s'actualise. Hein. Donc si vous gagnez un niveau, revenez dans une heure et demie pour voir si ça s'est bien actualisé. Normalement, vous serez à 1 sur 10. Et dès que vous aurez débloqué 10 niveaux, vous aurez monté de 10 niveaux dans la saison, bah, là, vous débloquerez l'emballage cosmétique Gimmimoire. Voilà, dans le jeu gratuitement. Vous l'obtiendrez après une heure. Alors il faut savoir que le revêtement... est gratuit pour ceux qui sont voilà qui vont faire cet événement, mais si maintenant vous voulez absolument l'acheter parce que vous le trouvez qu'il est trop stylé, ben il arrivera dans la boutique dans une date ultérieure. Donc vous pourrez l'acheter sur Fortnite dans la boutique de Fortnite plus tard si vraiment il vous intéresse. Donc voilà, après c'est un peu décevant du fait que ben il n'y a pas tous les joueurs qui pourront l'obtenir parce qu'il faut être déconnecté depuis au moins 30 jours de Fortnite, donc c'est quand même voilà, c'est quand même beaucoup, 30 jours, une semaine, ça va, ça aurait été bien, mais là, 30 jours, c'est quand même un peu beaucoup. Et il y a un autre truc qui me dérange un peu, c'est que il n'y a pas de date de fin. Donc, je ne sais pas vous dire que si maintenant vous voulez absolument le camouflage et que vous partez en vacances, restez connecté, déconnecté pendant 30 jours, ensuite revenez pour la prochaine saison et hop, vous faites le...
L'événement pour débloquer le camouflage. Mais là, en fait, il y a rien qui est précisé de date de fin. Donc, apparemment, il n'y a pas de date de fin. Donc, ça se tombe, c'est peut-être en illimité. Si c'est en illimité, c'est quand même cool. Je veux dire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on pourra quand même le faire. Après, est-ce que ça va être en illimité? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais on verra bien. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec. Ciao. Peace.